jamais été mort. Va manger tes morts, je te le dis. Putain, ta gueule. Ils m'ont dit oui, faut que tu te détaches un peu de l'image. Je le dis, je suis pas génial, moi, je suis arrivé. J'ai acheté du cul des madrines. Là, regarde là l'image. Pisse à l'arrêt à l'image. Oh, bien. Arrive par les bandes. Tu vas le prendre en plein dans ta bouche, mon copain, je te le dis. Ah, il croyait que j'allais changer la tête de mort, hein? Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr. Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans. Peu importe le kilométrage qu'elle a, seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Évidemment. Nous, on continue ce qu'on a l'habitude de faire. Le but, c'est de faire évoluer les choses comme on sait faire. Voilà. Pas faire n'importe quoi, mais faire ce qu'on sait faire. Ok? Voilà. Pas de soucis, tu me tiens au jus. Là, j'ai deux, trois petits rendez-vous, mais après, tu me tiens au jus, on se rappelle et on fait comme ça, d'accord, ok? Nickel. Ouais? Ouais, Lucien, on t'attend pour la réunion. Ah putain, déjà? Ouais, il est l'heure. Ouais. Ah, c'est un truc de ouf. Tu peux venir? Ouais, ok, pas de problème. Ok, je finis mon truc, j'arrive. Ok, j'arrive tout de suite. Cool. Yes. Je sais, mais bon, les gens savent. L'image du beauf, l'image du gros con, le mec qu'on a rien à foutre, je sais, mais qu'est-ce que tu veux, ça me joue des tours, hein, ça, au quotidien, pour mes investissements, pour le développement de mes boîtes, je sais très bien. Je sais que c'est quelque chose qui peut me freiner. Tu vas pas me manger la vie! Je le dis, mon copain, tu vas pas me manger la vie, je te le dis directement, hein! Va baiser tes morts! Va manger tes morts, je te le dis! Putain! Ta gueule! M'énerve! Tu vas voir si tu veux me faire changer, enculé! Ah! L'image de ta mère à quatre pattes! On en parle! Ah! Petit bâtard, hein! Tu croyais que j'allais sucer le cercueil de mes morts, peut-être bien! Oui, tu connais la gitanerie! Tu la suces, la gitanerie, pourtant, mon copain! Premier blocage de vent dans tes mots, hein, la boîte s'y attend pas par terre, je comprends pas pourquoi. Appel d'embrayage, le suçon, l'embrayage, je vois le moteur à tomber avec, hein, je le dis moi, mon putain là. Ah, ta grand-mère, je suis pas ignoble moi. Sur place, le turbo il décharge, oh, décharge chacun mon cousin. Le turbo, ah, il décharge comme moi dans ta femme, il décharge le turbo. Mais c'est moi, je me dis mon copain, ben, ignole moi, Jésus le diable. J'allais changer la tête de mort, hein? Mange tes morts!
fous un coup de poing comme ça. Moment carrément, si j'ai déjà fait ça une fois dans une auto comme ça, j'ai arraché la face avant. Tableau de bord volant, il n'y avait plus rien dedans. Ça c'est une auto, je refais une série 7. Et ils m'ont dit oui, faut que tu te détaches un peu de l'image. Tiens, regarde là l'image, elle est là l'image, c'est la calandre de la BM là. Il pisse à l'arrêt à l'image, d'accord. Oui, tu comprends maintenant Lucien, il a des entreprises. Faut que tu te détaches un peu de Donovan, tiens, regarde. Toi et ton image, je te pisse au cul, guignol. Maman le chip, faudrait une troisième manche dans le pantalon pour ranger le chip carrément. Mais t'es meuh mon couvert. Get le l'homme. Maman, si j'enlève le cuir là, carrément t'es impressionné, ta femme carrément me court après directement. Je le dis. Regarde, comment tu veux que je change? Un bout de dépotoir, un bout de ferraille, un plateau, des BM, un bus et ma gueule camping, regarde. Regarde comment elle est neuve celle-là, baisse de mort. Acheter cash là. Pas de crédit à la banque mon copain. Je le dis, je suis pas guignol, moi je suis arrivé, j'ai acheté du cul des batteries d'espèces, j'ai dit tiens, attends guignol. J'ai acheté une F, carrément, c'est la 2024 carrément, on est en 2022, mais c'est carrément la 2024, je le dis. Parce que moi, comment carrément, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute-moi bien, non, on va te la faire sur mesure cas pour toi. J'ai dit, vas-y, fais-la moi, par contre, j'ai une SIE qui fait la longueur d'une 2 SIE. Sinon, je viens dans ton magasin, je vous tire dessus, bande de guignols de mort. Ils m'ont dit, d'accord, on te la fait. J'ai dit, t'intéresse parce que, ah, si la rage elle me prend en moi, que j'arrache le cuir carrément, le cuir à 800€, si je m'énerve, que la rage elle prend en moi, la secrétaire, je la prends, je la retourne, j'ai dit, fois 4 battes, là, je suis dedans, je suis dans le cou, là, paf, une glace à l'italienne, non, c'est mort. Bam, j'ai fou une patate. Dégage de la vilaine. Va voir ton patron. Bam, j'ai fou une patate. Mais il est mort sur le coup, guignol. Il était comme ça. Comme ça qu'il était. Et donc finalement, bah, y a pas eu besoin d'aller jusque là parce qu'ils me l'ont fait. Voilà, toute neuve. Voilà. Voilà. Alors ça c'est quand même. Ça c'est la camping que j'emmène qu'avec ma femme à moi. C'est la principale, la femme principale, quoi, tu vois bien. J'emmène dedans, on vit dedans, on chie dedans, on bouillave dedans. Après quand je veux voir d'autres acquis, je prends la petite. Tu vois bien. Celle-là, regarde. Elle est neuf aussi dedans. Get, jamais usé dedans, regarde. Mais celle-là, je les prends que pour les autres femmes. Je m'en vais en déplacement, tu vois bien. Une raclée là-dedans, je prends le Sprinter, 250€. Les pneus, ils brûlent, la flèche, elle s'allonge, carrément. Je bouillave pas les mêmes raclées dans les mêmes campings, tu comprends? Faut quand même un peu de propreté dans sa vie maintenant. Je vais en refaire celui-là. 1500€, j'y mets par roue. Carrément comme les machines qu'il a fait, l'autre machin qui est riche là. Électrique. Je vais mettre un moteur par roue, 1500€ par roue. Ça va faire 10 000€ en tout, carrément. Les modes de terre, carrément au plafond. Tu vois bien, apparemment, l'argent tombe du ciel, mon copain. Donc si l'argent tombe du ciel, tu vois bien, on va se faire plaisir. Ouais, on a qu'une vie quand même, tu vois bien. Voilà. Tu vois bien le pneu là. Il est pas gonflé le pneu. A ton avis, je vais appeler qui encore? Que je lui dis, Dylan, viens me changer le pneu, il est à plat dedans. Il va me dire quoi? Je vais venir te le changer. Il va venir déjà, je vais lui foutre une patate, je vais lui dire, tu rappelles celui-là? Tu te rappelles ou pas celui-là, Dylan? Rappelle-toi ou pas? Bah, que ce gros patate dans ses mains, j'y vais. Mais tu te rappelles ou pas que je me suis retrouvé comme ça, comme un guignol? T'avais pas la chambrière? Tu changes un pneu, t'as pas la chambrière, t'as pas le boudin dedans. T'as pas le boudin dedans ou j'ai la chambrière, Dylan? Bien, celui-là, c'est un plus petit pneu, mais faut mettre une chambrière dedans aussi. Dylan! Qu'est-ce qu'on met dans le pneu pour qu'il soit gonflé le pneu? Il y a la boudin dedans! Carrément, c'est Dylan, tu vois bien? Il s'est énervé parce que j'ai foutu une calotte. J'ai dit, écoute-moi bien, si tu refais encore une fois un pneu comme ça, tu mets pas le boudin dedans, Dylan. J'ai dit, si je m'énerve dans moi, je vais te prendre, je vais te chier dans la bouche, mon copain. Alors j'ai dit, monte dans l'auto et baisse tes morts dans l'auto. Voilà, regarde, l'intérieur il est mangé carrément, il l'a grignoté l'intérieur. Il a pris le siège, il l'a grignoté. Voilà les chicots carrément. Mangeur de tarpin, il a baisé ses morts dans l'auto, regarde. Regarde le siège. Un TDS, un neuf, hein. Sorti chez BMW, tout neuf, regarde. C'est Dylan ça. Ça c'est Dylan. Il l'a mangé dedans, il a baisé ses morts dedans. Il a pris l'auto, il a chié le cergueil du tombeau de ses morts dedans. Ses défunts morts, ils sont dans la voiture. Il a baisé ses morts dedans. Elle a pas les papiers, mais elle est quand même honnête, tu vois bien, elle est neuve. Maman, je me suis dit, j'avais acheté une BM comme ça, sortie de chez la BMW, carrément. Putain. Ça, c'est pas une tronçonneuse de guignol. Il est où, Dylan? Dylan! Oh, Dylan! Oui, c'est moi, Dylan! Il est en train de baiser ses morts! Oh, Dylan! Réponds pas! Réponds, Dylan! Oh! Oh, Dylan! Ah, il veut pas répondre! Ah! Ah, Dylan! Oh,
sans droit. La sans droit. Maman, la sans droit. Elle est neuve. Elle est neuve. Maman. Maman, elle est neuve, la sans droit. C'est quoi? Baisse-moi. Jésus. Viens là, je la prends, je la prends. Chasse à Cindy carrément. Ah, sauf que là c'est de la fumée, ça prend du boursin. Yeah. Ah. Oh. Oh. La 103. Ah. Oh. Maman. Elle est pas neuve, celle-là, Guette. Une Rolex, encore. Hein? Si t'as bien aimé la vidéo, hein? Abonne-toi, on est bientôt 1 million, le Big Bang, tu vas le prendre en plein dans ta bouche, mon copain, je te le dis. Allez, abonne-toi, si on cherche chez toi, je te fous une claque dans ta porte, guignol. C'est bon, on est une belle gitanerie. Oh. Je la titille, donc c'est que ça fait du bien. Je vais pas te mentir, ça dure des heures. Au bout d'un moment, j'y vire le sac McDo qu'elle avait sur la tête, je me rends compte que c'est ma frangine. Allez, baissez-moi.